Bonjour à tous, bienvenue pour ce live spécial pour 4 viewers qui vont juste être là à farmer les pointo. Quel plaisir les petits amis. On va jouer à un jeu PC pour changer, c'est un peu fort le son du jeu. Ah. Ouais, je sentais, je mets comme mes anciens réglages. Ça devrait être un peu mieux. Bonjour à toutes et à tous. Déjà 4 viewers, hein. Merci d'être si nombreux. On va voir Dicey Dungeon du coup, un jeu de dés. Comme vous pouvez le remarquer, Dicey ça veut dire dés en anglais. Il y a des dés, le personnage c'est un dés. Incroyable. Jeu de dés, mon chat se lave et déjà des câlins. Bravo. Comment ça va se passer? C'est un jeu cheap, un petit peu. Je sais pas si vous voyez Slay the Spire. Je vais essayer de regarder l'animation d'abord. Incroyable! Déjà 5 viewers, on a battu le record de 6 millions, hein, 6 millions qui disait au début live. Pic de viewers à 4, on est déjà à 5! Incroyable. Et prenez garde à ce qu'on rêve, tu en es pas un cauchemar! Et je suis ici, celui qui connaîtra ce soir. Jusqu'à la fin du temps, ce sera votre hôte, Lady Alea. Oh, merci, merci à tous, frère. Je vous adore tous et toutes, vous allez tous mourir. Je suis positivement ravi de vous retrouver une fois de plus dans la labyrinthe, c'est enfin. Non, non, quand tu remontes, il gagne gros ou bien tout pèse. Oh non, non. Ah, que on se trouver entre eux. Le guerrier. Incroyable. Je suis un dé. Eh oui, ma chère, c'est comme ça que ça marche ici. Dis-moi, mon guerrier, quel est donc ce vide dans ton existence qui te pousse à risquer un éternel emprisonnement entre les mains de la destinée? Ouais. Et que eux, hein? Pourquoi es-tu là? Très cher. Ah, on m'a dit que je pouvais gagner un monster truc. Alors, énorme. Moi, le monster truc, là, je pourrais me la péter à des thunes avec ma bagnole. Je casserais la Clio de mon frère. Je serais content, quoi. Puis devenir le plus fort du monde entier. Merci. Mmh. Oh, c'est exaltant. Tu sais ce qu'on dit dans Dicey Dungeon? Oh. Il serait peut-être contre toi. Mais maintenant, il est trop tard pour reculer. Cliquez sur le coffre pour marcher dessus. Donc, game, ça, c'est la map monde qui va être comme ça. On va se déplacer sur une map monde. On clique où est-ce qu'on veut aller, tout simplement. Et on découvre une épée. Incroyable! Et là, on voit un ennemi. L'ennemi apparaît sur la map. On clique sur l'ennemi. Combat qui se lance. Commence par chaque combat. On a une arme. On va avoir des dés. Et on attaque avec la puissance des dés de chaque dé au rond. Plusieurs effets, soit de la puissance plus grosse, soit d'autre chose. Donc là j'ai un 5. Si je mets le 5 sur mon épée, on voit que là c'est la case du dé. Donc je mettrai 5 dégâts avec mon épée, ça part sur le mi directement, 18. Petit à petit on va construire un deck, faire un build dès que c'est exaltant. Il faut le ban le jeu. On ban le jeu. Énorme. Et parce qu'on est prêt, on fait fin du tour. Là, il va déjà crash ses planètes, déjà 6 viewers. Hein. Oula. Si le compteur arrive à 0, il met 10 dégâts. La pique. Oh. Ah. Mais le guerrier a une capacité. Il peut relancer son dé 3 fois par tour. Ouais, non, 4, c'est nul. Ah, 3, c'est must. Et le 6. Ah, c'est pas du tout RNG. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Tout est décalculé, tout est scripté. C'est le tutoriel, hein. C'est le tutoriel, les amis. Oh oh, comme tu dis. Comme tu dis. Et là, j'ai pris 10 dégâts, incroyable. Et là, j'ai la furie. Furie 1, ça fait quoi? Répète l'effet du prochain équipement. 6 dégâts x 2. Et ça le tue, voilà. Gameplay très simple, on joue avec des dés, et on dégomme des ennemis. On level up, on stuff un build, on fait du deck. Et avec le deck, petit à petit, on se crée un jeu qui permet de jouer avec tous les dés possibles. Ah, c'est un petit peu comme du coup Slay the Spire où on se crée un deck aussi sur une aventure.
Donc là, une hache qui ne prend que maximum un dé de 1 à 4, mais qui multiplie par 2 les dégâts. Ce qui est plus intéressant pour les petits dés, mais qui ne marchent pas avec les gros automatiquement. Il faut un 4 ou moins. Donc là, on va mettre 6 dégâts avec l'épée. Je peux pas l'utiliser vu que j'ai un 5, on relance le dé. On a un 6, ça ne marche pas, on relance le dé. On a un 5, ça ne marche pas. Mais connard ! Et on a un 4, bravo. Et je mets 8 dégâts. Incroyable. Et on finit le tour. Allez, il faut qu'il fasse du pair. Il faut qu'il ait un dé forcément pair. Il met son 6. Et j'ai pris une brûlure. Voilà. Et du coup, mon 3 n'est plus utilisable. Donc, on va relancer le 1. On a un 5, c'est bien un 5. On va le mettre là. Je pense que du coup. Oh bah attends, parce que. Ah bah oui, non, mais fais chier. Allez, voilà. Hop, on en finit. Joue à Kingdom Hearts Chain of Memory, c'est mieux. Ah. On passe niveau 2. Niveau 2, on débloque un pouvoir. On a un dé en plus. Incroyable. Le dé supplémentaire. Ok, donc le guerrier, c'est le dé supplémentaire. Et chaque personnage aura ses pouvoirs et ses capacités. Et on récupère tous nos points de vie, bien sûr. Le jeu a crash. Pas du tout. Allumette, père, brûle un dé. Super. Et on peut tricher, on va mettre D plus 1. C'est bien. C'est bien, mais il y a un fond. On va aller dans l'équipement. Là, vous voyez, je peux créer mon jeu. Là, bon, tout passe dans le deck actuellement. Hein. Mais les prochaines armes, il n'y aura plus de place, donc il faudra remplacer. Là, bon, on va affronter le fou. Bon, là, c'est le tuto. Hein. C'est facile. Hein. Le fou change d'équipement à chaque tour. Ah! Salut l'ami, votre enthousiasme est adorable, mais je pourrais lui un secret. C'est l'heure de mourir. Ah. Donc déjà, on met ça là. Ça, on fait plus 1. On le met là, ça fait 8 dégâts. On relance le dé, il faut un nombre pair. Un nombre pair. Connard. Là on est où là on est gelé. Ah quel plaisir, je l'ai transformé le dé de plus fort en 1. Oh. On va faire ça. On va le brûler ce petit bâtard. Ensuite on va relancer le dé de 1. On a un 4. On va relancer le 3 parce qu'on n'a pas avoir un 2, c'est nul. Et on a un 2, donc on va juste faire ça. 8 dégâts. Into. Into. C'est quoi la brûlure déjà? Into Fury, on va doubler la brûlure. Il a brûleur x3, fin du tour. Ça lui mettra des dégâts, quel plaisir. Quel plaisir. Alors, ça fait choquer la gueule. Désactive un équipement. Ah ah. Donc, ça, c'est de la merde. On va désactiver la hache, pas 8 dégâts. Mais là, bah, de toute façon, il nous faut un nombre de paires pour brûler au moins une fois. Et on finit, on a plus de dés. Allez, bouffe. Il a plus que 12 points de vie. Il a ni aucun dégât. Par contre, les brûlures, ça fait mal. Donc là, ça fait chier, mais c'est pas grave. 8 dégâts. Hop, directement, il lui reste 5. On le met là et on le tue. Non, c'est le tutoriel. Hein. J'avais juré que c'était l'heure pour vous de mourir. Ma monster arrêté. Vous avez quelle heure? Et point d'XP à chaque niveau, bravo. Et on change d'étage. Et voilà comment se déroule le jeu. Maintenant on a fini le tutoriel, on va devoir attaquer l'enchanteur niveau 2. On a un 6, c'est bien un 6. Hein. C'est bien, c'est bien. On va dire on va relancer le 1. On a un 5, ça fait chier. 5 c'est un peu nul, hein. Le 5 on n'en fait rien. Le 5 on n'en fait rien. Le 5, on en fait toujours rien. Connard! Allez, le 4, c'est parfait. Valeur du dé plus 1 pour au moins brûler. Et on se fait bien. Alors que Hirok! Nouveau attaque 9000 personnes. Merci beaucoup, Hirok. Comment ça va, mon cher Hirok? Comment monter de viewers? J'espère que vous êtes chaud pour du Dicey Dungeon. Petit jeu de dés. On vient de débuter le live. Il y a tout juste 10 minutes. Donc vous n'avez rien manqué. Allez, on fait un 6 pour la hache, pour l'épée. On a un repère pour l'allumette, c'est cool. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ça, c'est parfait. Et on le brûle en prime. Le froid de retirer ses chaussettes, c'est quoi, c'est d'être maléfique. Ah!
Le Chibata, on voit ses chaussettes qui partent. Incroyable. Alors, il faut lui mettre 2 dégâts juste, donc on fait ça, on finit le combat, on se fait pas chier. Quoi? Bâtard. Oh! Non mais il se croit chez mémé. Salut par ici, Garrot nous a éjecté. Je suis désolé Baltrax, mais bienvenue sur ce live. Live incroyable de Dicey Dungeon. Si tu connais pas le jeu, je t'invite à regarder, on le découvre ensemble. Alors on choisit entre le bouclier à pointe ou le boomerang. Ça, ça peut être intéressant pour les nombres impairs avoir un bouclier. 2 fois dégâts, mais on se prend un contre-coup. Ça peut être très fort, mais ça peut faire mal. Bon courage, Hirok. Merci à toi pour le host. Alors, on va prendre le bouclier, je pense. C'est pas trop mal. On va s'équiper. Ah, le bouclier, ça prend 2 trucs. On pourrait plus tricher si on l'utilise. Ah, déjà du débat. Après, l'épée, on l'utilise pas avec de l'impair. Donc, à la limite, on peut remplacer, je pense, l'épée avec le bouclier. Ce sera pas trop mal. Là, il y a un pirate, là, il y a une pomme. On va pas la prendre, le coffre. Allez, on a un nouveau triché, génial. Un deuxième triché, ça peut toujours servir. Je Mewtwo plutôt que le héros. Ah! Ah non, on banne tout le monde ici. Hein. Tout le monde est ban! Un nouvel aventurier est entré! Bienvenue chez Donjorama! J'ai tout ce qu'il vous faut en stock. Faut que j'en ai des chaussettes, des armes, une bouillotte. Qu'est-ce qu'on cherche? On a combien de pièces? On a 4 pièces, on peut tout acheter. Là, on peut avoir 2, 6 si on fait 10 de total. Là, on peut avoir 2, 1, donc ça, on s'en fout des 1, c'est pas très utile pour nous. La DAC, c'est maximum 3. Mais c'est réutilisable. Donc c'est bien quand on a beaucoup de dés. Ah, c'est incroyable, l'emote de Toonlink, hein, bravo à lui. N'hésitez pas à vous abonner chez Baltrax si vous voulez une emote de Toonlink. Bah, Mewtwo est legit, hein, bien sûr, selon la tier list officielle. Il n'y a pas grand chose qui nous intéresse. Ah, même les 2-6, c'est pas très intéressant. Donc on va avancer, on va affronter le pirate, on verra plus tard si on a besoin d'un truc ou non. Ah, 2-4, c'est bien. On va pouvoir faire déjà un coup de hache. Ah merde, le bac c'est 5, j'avais pas vu. Connard, man. Allez, on va faire 5 de bouclier. Et on va le brûler. Hop. On avance tranquillement. Quand j'ai un pic de 12 viewers, hein, donc on a le mensonge, bien sûr, de Simon qui nous a promis de n'avoir que 4 viewers max lors de ce live. Bougon, avec pour combo avec le fer. Oh, c'est pas ce qu'on a joué à ce jeu, hein. Attention. Le 6 est brûlé, pas de bol. Mais le 6, j'en ai plus besoin en fait. Le 6, c'est de la merde. Le 6, c'est de la grosse merde en vrai. On va lancer le dé. On va lancer le dé. Est-ce que je vais mettre 2 dégâts pour lui mettre 2 dégâts? Non. L'host a triché. Ah bah. Pardon, sinon, hein. Moi je savais pas qu'il y avait une méthode pour bien faire les choses. J'ai la furie qui s'est activée, mais j'en ai pas besoin. On fait juste ça, et ça le tue. Ok, 2 XP. On va prendre la pomme qui va soigner, on va descendre d'étage. Il y avait rien dans le magasin qui nous intéressait. En sorceleuse niveau 3, bébé poupe niveau 2, on va prendre niveau 2 tout d'abord. Après ça s'arrête jamais le jeu. Ah, faut que je change, j'aime pas la bouclier à pointe, c'est pas top. C'est pas top, on va s'en foutre, très bien. On va faire un 4... On va le brûler. Et on met 5 de bouclier. Pour être tranquille, il ne peut pas prendre de dégâts. Il laisse les octalines. Ah! Moi, vous savez, je tape tout. Je tape tout. Mon bouclier est cover. J'ai un dé invisible. On va le mettre sur le bouclier. C'était un 5. On monte de 1, on fait 4 d'attaque, on relance le dé, on boucle pour avoir un pair et brûler l'ennemi à fin du tour. Faut jouer vite, hein, faut jouer vite, on apprend le jeu, mais quand même, on n'est pas des animaux. J'ai toujours pris 0 dégâts. Hein. J'ai toujours pris 0 dégâts. Donc là, il faudrait faire un 3 minimum. Et je le tue normalement. Voilà. Si simple! Simple, les amis. On a une pomme ici, on la garde, il y a un coffre. Qu'est-ce qu'il nous offre? 6 coups. 6 requis, 6 dégâts. On peut le faire 3 fois par contre. C'est intéressant. Après, est-ce que c'est rentable contrairement à une épée? Je pense avoir prendre l'épée. Comme ça, on se met bien. Allumette est toujours pratique de brûler un petit peu.
On va rester comme ça. On va attaquer l'ensorceleuse. Quoi? C'est court. Quelle est cette sorcellerie? Alors, en plus, on a 2-6. Dommage, ça aurait été cool pour le prochain hit. On va essayer de voir si on peut avoir pas 4. Voilà. On fait la furie. On l'active. On fait 6 dégâts derrière. On le brûle. Et elle prend cher déjà, cette petite ensorceleuse. Lors du combat, ton perso tient son épée sur la phase 5. Et sur la phase 2, ça me perturbe. Ah, il le change de main, peut-être, pour le combat. Main droite en combat, main gauche en réalité. Ok, il reste 10 dégâts à mettre. On va en finir comme ça. Bon, c'est plus ça le guerrier, hein. Ça met beaucoup de dégâts. Ça tape beaucoup. Et on passe niveau 4. Quel plaisir, on a un dé supplémentaire. Il y a une enclume. Entraînons, on va peut-être me dire rien. Moi, c'est... Je suis responsable de l'équipement par ici. D'accord. On peut améliorer une arme. Alors, attends. Ça prend une place de moins. Oh, plus un dégât. Hein. Là, une place de moins, ça peut être intéressant pour avoir un trichet de plus. Allumette. Ça devient réutilisable. Peu importe le dé qu'on a. Et tricher, on peut le faire 2 fois. On va améliorer tricher. No skill need. Alors attention, hein, sinon c'est la game de chauffe celle-là. Tu verras par la suite de ce que j'ai vu. Ça peut très vite partir en couille et tu peux très vite mourir. Hein. Un décès, c'est la fin de la game. Wait. Il y a Azertis qui vous spoil en me gueulant d'en bas. Ah, il y a d'autres persos! Apparemment, ça va être le 3ème perso. Mais le problème, comme j'ai le casque, je n'entends pas. Donc voilà. N'hésitez pas. Bonsoir Augusta, comment ça va? On va pas descendre maintenant, il y a un magasin à aller chercher. On va l'affronter le Flamèche. Un petit Salamèche dessiné par un enfant de 3 ans. Flamèche craint la glace. Super, j'en ai pas. Du coup, on peut utiliser 2 fois cette arme maintenant. On va faire 6 là, on va faire 4 là. Bon, j'ai un dé de trop maintenant, quelle vie. Hein. C'est bien d'avoir un dé de trop. On dirait un Teletubbies. Ah, intéressant. Je commence à être brûlé par contre, c'est mauvais ça. Ok, le 5, on va le monter de 1, faire 6 dégâts, peut-être 12. Ou alors on va faire 8 dégâts x 2. Hop, 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 on va en finir comme ça avec ce combat. Et ça va à la poubelle, le Flamèche. On bourre, hein. On bourre vraiment. Mais bon, voilà, apparemment, les premières games sont faciles. Et ça va se complexifier par la suite. Donc vous inquiétez pas, on peut être du poison, mais c'est pas intéressant que le perso le gèle. C'était bien pour le match avant, peut-être. Et là, on peut se soigner. On peut se soigner. Ça peut être pas mal de se soigner en match. Hein. Mais est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. On peut geler, sinon ça fait quoi de geler? Eh oui, le top 3 d'Augusta, vu que tout le monde a dépensé son fric hier. Alors, peut-être la boule de neige pourrait être intéressante. On va voir. Boule de neige là. C'est que ça me sert à rien, j'ai pas de place. Moi, j'aime beaucoup mon stuff actuel. Allez, on va se soigner et on descend d'un étage. Ça enlève un dé de gelée. Très bien. Allez, on se bat contre les cactus! Parce que dans la vie, il y a des cactus. Le 6 là, on va augmenter de 1 ça. On attaque, on augmente de 1. Et on finit. Bon, mon stuff, il est pas mal, mais il est un peu limité en coup, j'ai l'impression. Donc c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'il fait? Un fiche de dégâts s'il attaque ce tour. Ah non. Est-ce que je peux le finir? 8 dégâts. C'est bon, je tue là. Pas du tout. J'ai pas fait furie, je suis un gros connard. Je suis un gros connard. Ça y est, je suis revenu prêt à t'engueuler. Ah! Elle est revenue. Salut le Smasher, c'est Dice Dungeon, du coup, le jeu. On joue actuellement un petit jeu de dés et de deck build. Salut Gentil Shiro au passage. Mets tout en allumette. Après, je peux faire que. Ah, je sais que je peux réutiliser maintenant allumette. C'est vrai que je peux le réutiliser. Mais c'est vrai que je suis con. Mais bravo, Koupalik. Je suis con. Tu sais, il y a des épines. Mais je fais ça. Je fais ça. Je fais ça.
Mais c'est vrai que t'es trop intelligent. Et là, ça lui brûle tous ses dés, ce connard. Et ça le tue. Il joue pas. Allez. Bon, on gagne, on prend ça va très bien. Et toi, gentil Michiro, comment tu vas? En tant que sub-gifter du mois, on va se soigner. C'est bon, t'as un dynaste niveau 4. Alors, je vais reprendre le coffre avant, mais je suis un peu con. Que voulez-vous? Alors, on a un 4, on fait les dégâts, on met un 6 là. On fait ça, on fait ça, on empoisonne deux fois. Ça finit le tour. Allez, fais-toi plaisir. Oh putain, oh, tu vas te calmer. Coup de corne qui commence à être chargé, attention. Mais on le laissera pas faire, on le laissera pas faire. Ma furie est prête. Je suis un connard, j'aurais pu le faire avant. Mon gars, t'as encore le droit de faire des petites erreurs cette run. Ah bah si on fait des petites erreurs. Je suis stressé, j'ai commandé mon ordi, je le veux tout de suite. Je comprends, Chimichiro, le jour où j'ai commandé mon PC, j'étais un peu... Quoi? Quel bâtard. Au secours, on est à bugger. Allez. On en finit. C'est encore la run de découverte, hein, donc pas d'inquiétude, les amis. Oui, j'ai vu que je pouvais voir les coups ennemis. Ne t'inquiète pas, Zertit. Allez, hop, 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 hop. Ça dégage. Non, mais je l'ai vu direct, t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est que ce jeu effrayant? C'est Dice Dungeon, c'est pas effrayant. Quoi? Comment ça, deux? Mais bâtard! Mais qu'est-ce que je branle? Je suis dégoûté. Tiens, brûle. J'en peux plus, quoi! Quoi? Comment ça, silence? Quoi? On n'est plus qu'à 16 points de vie. Arrête, hein. Meurs. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non! Mais... C'est comme Slay the Spire un petit peu, ouais, gentil Michiro. La deck d'aider. Après, tu fais un deck build derrière. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Pourquoi tu t'envoles? Il s'esquive. Il esquive l'attaque suivante. Regardez. Le génie. Voilà! On s'en sort, les amis, hein. Ne vous inquiétez pas, je gère la situation. Coup de bouclier, frappe avec le bouclier. Double requis. De la merde. Améliorer l'équipement, c'est mieux. Hache de guerre, on va l'améliorer en petit. On va prendre le coffre, on va récupérer la griffe qui fait des poisons, c'est super. On n'aura pas un deck de poison. Mais et là on a quoi? Un magasin? On fait un échange. Dégâts. Sur un D6, brûle un dé. Nul. Nul. Donc là j'ai gagné les griffes. Mais est-ce qu'on peut pas boule de neige sur les impairs? C'est max 3. On s'en fout de ça. Alors qu'on peut faire ça. Ça. Mettre une boule de neige. Et on gagne une arme. Tu peux remettre le pélican, cigogne et puis on reste épais. Non. Allez, on descend d'un étage. C'est la découverte un petit peu. Hein. Oula, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on a un kraken. Quelle vie. Ok. Tout se passe bien. J'ai la situation, ne vous inquiétez pas. Max 4, on le met là. C'est un pair. Attends. De la merde. Hop, on le gèle, on le met père, et on fait le tour. Tu as tué le fils de l'Octoling tout à l'heure, il est venu vénère. Bah je pense, ouais, c'est parce que j'ai son bébé. Je pense qu'il est pas très content que j'ai plus son bébé. Plus 1 à chaque utilisation, comment ça?
Comment ça aveugle? Aveugle man. On a déjà 4, on va le mettre là. Je vois pas le dé. Pif. Ah, c'est un nombre impair. Donc on va mettre plus 1. S'il te plaît. Connard! Ah, le gel, ça fait un dé en 1. Tout se passe bien, les amis, ne vous inquiétez pas, j'ai la furie qui est prête. Il lui met à ce 4 dégâts à mettre, limite break, c'est génial. Tout se passe bien, et ça décède. Ça décède. Je gère la situation, les amis. Ne vous inquiétez pas, ayez confiance. Dame blanche, trop bien. J'en fais le magasin, un peu coupé. Mais je suis vraiment con. Pas la dame blanche, c'est le pour. C'est le pire des ennemis. Elle me fait trop peur. Elle me fait trop peur. Ouais. On va relancer le 2. On a un 5, valeur du dé plus 1. Ça fait un 6, on le met là. Là, on a le 2. Ça, on va le relancer. Un 6, c'est génial. Trop bien. C'était rentable comme opération. Fin du tour. Arrête. Arrête. Hop, on met ça. On va relancer. J'ai d'avoir un 5 peut-être, yes. C'est très bien ça. Ah mais ça je peux le faire deux fois ça. C'est fort. Comment ça fallait pas mettre le 1 là? Attention hein, Zertik. Hein. Comment ça muet, petit bâtard? Attention modératrice, ne pas backseat hein, le joueur. On va se soigner. On va aller au magasin. Prenez le temps de jeter un coup d'œil. Je viens devant mon égaufrier, mais vous trouvez sûrement d'autres choses à votre goût. Marteau, ça affiche un choc super. On peut améliorer un équipement ou restaurer 10 PV. On va s'améliorer un équipement. Là j'aurais mis un triche pour avoir un 2 et rebrûler un 2 parce qu'avec un débrûlé si elle l'utilise elle perd 2 dégâts. J'ai pas compris. Mais après c'était pas pareil plus ou moins que les dégâts que je peux mettre. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Boule de neige, plus 2 dégâts, très bien ça. On améliore la boule de neige. Est-ce que je suis intéressé par le marteau? Non. Il y a un chien. Il y a une gargouille, on va porter le chien d'abord. Je vais vite souffrir, alors attention. Là, elle remet en question mon skill. Moi je vous dis, je vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Allez, j'optimise mon jeu. Tout se passe bien. Et le 21 dégâts mini. Comment ça? Non mais poisonne pas! Ok bâtard. Si je mets 8 dégâts, 16 dégâts, il restera 5 et je le finis, très bien. Merde, j'ai pas activé la furie. Je suis le pire des fils de... Je l'ai activé la furie trop tôt en plus. Pourquoi je me déteste? Je me déteste complètement. J'ai l'impression que je fais tous les pires choix de la vie. Cookie au chocolat répète la prochaine attaque. Génial. Ça peut être bien avec une furie en vrai accumuler. Bon améliorons cette épée. Hein. Épée de ses morts. Affrontons la gargouille avec mon nouveau stuff. Sûrement un mauvais choix. C'est sûrement un très mauvais choix. Mais non, regardez, c'est du génie! Allez,
tuer. Arrête. Arrête. Mais non, mais 6. Dégoûté. Un 6. Un 5, c'est bien aussi. Non. Parce que là, 5 plus 2, ça fait 7 dégâts, c'est pareil. Et je le gèle en plus. Le neige, je suis fort. Je l'ai sur Steam, yes. Il est sur Steam, Pionox. Là, je squatte le compte Steam de d'Azerty pour jouer. Allez, ça dégage. Bon, mais écoute, bah, elle avait payé la démo, elle. Donc, du coup, elle avait pas payé le jeu au prix actuel. Je vais dire ça. Page du magasin. Là, maintenant, il est à 12,49€. Oui, non, mais je l'aide pour le tuer, hein. Et c'est vrai que c'était pas très intelligent. Allez, on a un dé supplémentaire. C'était intelligent de se battre contre lui en vrai. Hein. C'était le meilleur choix. Je crois que c'est le dernier étage. Le guerrier versus Madison. Et là, voilà, on a une map très intéressante. Merci beaucoup, la map. Hein. Allez, le boss. Mais un dé en plus, c'est vraiment bien, le smasher. Hein. C'est vraiment bien. Elle est immunisée contre chaque connasse. Salut, je m'appelle Madison, je vous encore pas, vous allez faire. Je mange du cookie. Ah, ok. Là, je garde le 5 pour là. On va essayer d'avoir un 5 ou un 6. Attends, pas du tout. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Mettre le 6 là, mettre le 5 là. On s'en fout qu'elle est humiliée, elle prend les dégâts quand même. Hein. Et je la brûle. Il frappe les petites filles, hein, mais ça, c'est une habitude. Hein. Non! Oh, le cookie! Le cookie finger! Allez, on a un 5, ça va faire plaisir là, le mettre ici directement. Elle prend les dégâts, le 4. Le 4 pas de suite, attendez, hop, là je vais mettre ça là, le 6 sont mis là, la souris. Ça passe. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Madison qui a un cali. C'est un choix. C'est un choix. Oh non, le coup. Oh non. Oh non. Oh non. Ça. Ah mais attention, moi je... Oh, le limit break. Merde, quel connard, je l'ai activé alors que j'ai pas de... Meurt. Mais c'est si simple. Oh, félicitations. Voici votre toute première victoire. Je suis super fort maintenant. Eh bien non. Mais vous êtes très bien parti. Vous avez réussi à achever un épisode. Il n'en reste plus que 35 autres de difficulté croissante. Combien? 35 de difficulté croissante comme au petit-déj. Mais évidemment, à chaque fois que vous terminerez un épisode, vous gagnerez une chance de... faire tourner la roue. Et si la roue tombe sur une étoile, vous gagnez le droit de quitter les donjons et vous repartez avec ce dont vous rêvez le plus au monde. Préparez-vous à faire tourner la roue. La roue, 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 le roue. Faudrait le scander là. Allez, on scande la roue. Pardon, la roue. La roue. C'est parti. Étoile, 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 étoile. Voiture, voiture, voiture. Oh, pas de chance. Aucun prix pour cette fois. Mais ne vous en faites pas, il reste encore plein d'épisodes. La roue, la roue, la roue. Vous pouvez arrêter maintenant. Stop, stop, arrêtez, c'est gênant. Sécurité!
tout ça. Et voilà, on a fini l'épisode 1 du guerrier. Et il y a 36 épisodes. Avec du aléatoire, bien sûr, pour chaque épisode. Et on évoque les voleurs qu'on fera pour la prochaine game juste après. Juste avant, on va être sur le voleur du coup. En plus, on a la difficulté de jeu. Je suis venu pour gagner, pas pour me faire des amis, mais les autres aussi. Mais franchement, ils n'ont aucune chance. C'est vrai. Allez, on va lancer le voleur. Ils l'ont rajouté ça parce qu'ils ont râlé pensant qu'il n'y avait que 5 épisodes. Allez, on part sur le grand voleur. Ma position, c'est tout votre prochain condamné. Concurrent. Il a de grands espoirs. Il rêve en grand. Il voit la vie en rose. Il a signé une clause de renonciation à toute poursuite judiciaire. C'est le voleur. Attendez, c'est quoi cette histoire de c'est littéral? Tout est littéral avec moi, mon cher. Que la moto fait du bruit dans la rue. Je t'entends plus fort que mon jeu là. Pardon. Alors dis-moi, petit voleur, qu'est-ce qui t'amène dans mon arène avec des destins fatidiques? Ouah, j'adore cette Lady Alia, elle est cool, ouais. Un dé. Bon. Mes amis n'ont pas l'air de prendre tout le sol, mais moi si. Et j'ai la ferme intention de rapporter 1 milliard de dollars. Seulement? Que fera toute cette avance si tu gagnes tout ce dont j'aurai envie pour le restant de mes jours? Oui, la fortune sourit aux audacieux. En tout cas, c'est ce que croient ceux qui ne m'ont jamais rencontré. Allez, c'est parti. Allez, pas de problème, voleur, on est niveau 1, on a plus d'un équipement du coup. On a une dague, max 3 dégâts qu'on peut faire en boucle, et un rossignol qui casse le dé en 2. Donc on part 2 dés d'un coup, mais 2 petits dés. Par contre, on peut plus améliorer nos dés, donc ça c'est un peu compliqué. On va aller affronter le fils de Salamèche. Pour aller voir le coffre. On part 4 dés de 1. Alors voilà. Là on a un 6, on a plus de lance, le plus 1 et de relancement de l'air, hein, donc on va diviser le 6 en 2. Connard. Je pensais que ça allait diviser en 2 pile poil. Donc si je fais ça, tu me fais un 3? Merci. $999 milliards de points. Si on veut le plus cher, Damien. Merde. Double feu, c'est efficace, c'est pas cher. Et on gagne le premier combat. Hop, le coffre, on gagne une armure en cuir, ajoute 1 minoration. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi une minoration? Bon, on verra une game. On verra une game. C'est plus drôle quand on ne sait pas. J'ai un pistolet à rayon, c'est le voisin. Sans doute. De toute façon, là, minimum 3. Là. Donc là, on fait 3 dégâts forcément. Max 3. Lancer fort, on peut avoir 4 dés à 1. Est-ce que ça nous intéresse? En gros, vous voulez des petits dés, j'ai l'impression, avec ce personnage. C'est pas évident. On dirait qu'on en a 3 qu'on peut utiliser là. Hop. On va se faire des 1, on va mettre ici. Hop, on peut faire ça. Ah merde, c'est minimum 3. Ok, il est mort. Bravo sur les petits nommés, il y a un dé supplémentaire. Il va falloir farmer les dés, j'ai l'impression. Mets un 1 sur Rossignol. Ah. Ça spoil. Une grille, non. Mais pourquoi j'ai toujours un truc aléatoire à droite, là? Ça m'énerve. J'ai une attaque aléatoire. De toute façon, je peux rien faire là. Oh.
une armure. Ça fait quoi? Subit moins de dégâts pour chaque attaque ce tour, ok. Je vais dans le but. Ça s'appelle le voleur. On a un 3, ça c'est bien. Oh putain, il m'a mis seulement 1. Est-ce que je prends les 2 dégâts pour prendre moins de dégâts derrière? Il y a quoi comme coup lui déjà? Boule de neige et boule de feu, ok. Oh, faut réfléchir, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Un peu forfait aussi. Mais dis donc, il est démoniaque. Ok, ça on peut le mettre assez en jeu direct. Il faut des trucs impairs à chaque fois. Là, on va être impair ici. Non, mais. On va bien se produire au pyro. Non, mais réfléchis, vous savez, moi. Petit bataille, va, je l'ai. Pire que les levels à Enix, ouais, c'est même ouais, mais clairement, c'est compliqué ce jeu. Mais là, j'ai annoncé foireux maintenant, avoir des dés à 1, ça va être incroyable. Vous allez voir. Limit break, DD à 1, quel plaisir. Et on va même faire ça. Quelle vie. Je comprends rien ce personnage, les amis. Ce personnage est compliqué. On est plus que 2 dégâts à bête. Ça dégage! Et la guillemot qui va à la poubelle. Incroyable. C'est compliqué ce perso. On va prendre le coffre. J'ai plus que 9 points de vie. On peut tricher. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien de tricher. On a la pomme. On peut se barrer. Ah, je peux pas passer. On lance un Pokéball trop tard. Ah. Ah, mais quelle vie. Je suis tellement dans la merde. Je suis tellement en train de décéder. Toxique. Tire au signal. Le 3 il va là. Ça, ça va là. Ensuite, on va charger le poison. On va dépenser les dollars. Oh. Non, non. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ouais, plus de musique. La musique. Allô? Bien. Et on gagne un livre. Mais voilà, si simple ce jeu. Tout était calculé, mais c'était pour le suspense, hein, pour le stream. Réduit de les décomptes. Quoi? Ça veut dire quoi ça? Réduit de temps les décomptes. Quel décompte? C'est quoi un décompte? C'est quoi un décompte? Au secours! Oh, le poison. Comme la carte que tu as avec le poison. Ah. Ok. Mais maintenant je vois. Ça enlève tous les décomptes, mais je joue pas des comptes. Donc on prend poison. On prend poison. On peut dupliquer un dé. C'est très bien. On va changer son équipement.
Est-ce que je prends la contrefaçon? Oui. Ça peut du piquer un petit dé, c'est plutôt cool. Hein. C'est plutôt cool. Tricher, j'en ai pas forcément besoin. Au MG, tu choisis vite. Le voleur a des dés pas haut, donc le poison qui est max de. Ouais, mais non, ces dés restent haut, mais après on peut les diviser. Bon, on va voir. On va voir. Genre le 6 là, il fait un peu chier. 3 Rookies. Bon, déjà, on va dupliquer le 6. Mais non, je suis con. Mais je suis le roi des abrutis, je voulais le casser en deux! Comment ça choque? Et ta mère, elle est choquée aussi. Casse le 602. Super, merci beaucoup. Le 5, j'ai pas besoin. Ensuite, on va dupliquer le 3. Merde, il y avait le 6 qu'il fallait là. Non, c'est pas vrai. Max 2. Comment ça nul ce tour? Il était parfait ce tour! Regarde, il est mort. Mais quel connard! Oh, on s'en fout. Il est mort. Le poison, ça a l'air aussi fort que sur Slay the Spire. Ça a l'air aussi fort que ces deux spires. Allez, on va se prendre la pomme et on va se barrer. On va se barrer. Oh, quelle vie. Allez, un petit stéréo-tête à affronter. Il craint la foudre. Onde Sonic, c'est quoi ça? Un équipement. Super. Et on va dupliquer le 3, on va casser le 4. On va le mettre là. Et si on va faire passer le premier recrutement pour la team. Ah, nice pigeon. Rossigne réduit de moitié la valeur du dé. Ça a changé Rossignol. Ils m'ont cassé mon Rossignol. Ah, c'est fort le truc du poison avec le lancer foireux, je peux avoir 4 poisons d'un coup. Génial le 5, merci, très utile. Ok, ça fait le truc. Il est mort, bon, j'ai un tour ce bâtard. Tout se passe bien alors. Bien. Allez, ça décède. Mais c'est si simple. Des cassettes. Non, j'en ai pas. Enfin, j'ai un VHS de Pokémon sur le film, mais je crois que tu les lis pas. Donc, du coup, je pourrais pas trop t'aider. On a une pomme, on va la garder. Le coffre. Ah, du poison encore. Est-ce qu'on joue poison avec le voleur? Ça, le truc. Avec ça, la place. Yeti craint le feu, là je me bats les couilles. Pourquoi il s'est retrouvé là lui? Je l'ai mis là.
comprends rien. On va lui piquer bah, 3. D'accord. Ça. Et on va. Moi je joue full poison, hein, je m'en fous. Hein. Très bien. Mais quel connard! Je sais pas lire! Mais arrête! Arrête! Oh, c'est bien en fait. Gèle-moi, vas-y, gèle-moi, mets du 1. Ah ouais, super. Regarde, regarde, du 1, moi je kiffe. Hein. Regardez ce toit, quand même. Regardez-moi ça. Comme on fait pas du même deck. Regarde. Ouais, génial. Ouais, super, vas-y, vas-y, vas-y. Il a 10 de poison en 2 tours, il est mort. J'ai pu mettre un dégât, il est mort pour prochain tour. Par contre, ça commence à piquer un petit peu du cul, alors tu vas arrêter. Pour le fun. Pour le plaisir. Moi je développe bientôt. C'est fou. Voilà. Merci à tous. Un dé supplémentaire. Allez, ça se passe bien, on prend le magasin. Fou sur vous pour un coup fatal, non cumulable, super. Restaure des soins, je m'en fous en fait. Je n'ai rien à foutre de tout ça, je me casse. Fléau, je m'en fous. Ah, double poison, c'est fort! Mais pas contre ce monstre en fait, c'est le truc. Là t'es dans le caca, pourquoi? Il résiste au poison. Mais pourquoi je lis pas? Pourquoi je lis pas? Je suis un connard. On peut dire que je suis un gros connard. On va mettre du poison. Elle a pas l'air sûre de ce qu'elle dit à sa fille. On va fumer 11 de poison. Ah, il prend la moitié. Ah, il prend la moitié. Oh non, mais ça va, ça va. C'est honnête. C'est honnête. La moitié, c'est honnête. Comment ça, 10 de poison? Moi ce que je comprends c'est que c'est la merde en fait. Je vous amène à 7. Bah, c'est large. C'est bon, c'est gagné. C'est tellement gagné. C'est gagné. C'est un qui s'est gagné. C'est facile ce jeu. Mais non, il prend moitié dégâts sur le poison, je peux quand même jouer le poison. C'est facile. Inflige. Ah, jusqu'à 5 utilisations, c'est fort. Et là, c'est plus rapide. Allez, on va faire ça, ça c'est fort. C'est fort. Allez, on va se soigner. Hop. Et on se barre. Non, non, mais c'est bon, je gère le jeu. Hein. Allez, un aspirateur. C'est simple. Sur un 6 aveuglé sur 2D. Vas-y. Je sais pas ce que j'ai fait. On va dupliquer le 5. On va faire ça. On va faire ça. On met ses 4 fois. On va faire chier.
Ça va avancer. Ouais, mais il a bloqué de quoi, il sait ce qu'il a, c'est un bot. Il y a pas mal de multijoueurs sur le jeu. Ça, c'est quel plaisir. Casque de rondeux. Le 4 et... un petit mode multi. Mais arrête de m'attaquer. Calme-toi. Arrête. Ah mais je lui vole une attaque à lui en fait. Oh putain, je viens de comprendre le perso. Il vole une attaque de l'adversaire, mais c'est tellement bien. Pourquoi j'ai pas au coffre, je ne sais pas. C'est quoi ce jeu de merde? 5 dégâts, verrouille un dé. Ah mais d'accord, donc oui. Ok. 5 dégâts, verrouille un dé, casse un dé en deux. Ok. On va dupliquer. On va dupliquer 6 en fait, on va faire ça. On va mettre ça en réserve. On va mettre deux poisons direct. Ça. Moi je suis agressif. Hein. Passe un néant en 2. Je pique en le 5. Moi j'empoisonne. C'est ma vie d'empoisonner. On arrête. On arrête. Tu fais n'importe quoi là. C'est dangereux ton jeu. Okay. 6, 12 dégâts. Ah, je suis con. Il reste 13, il a 8 de poison. C'est bon? C'est gagné? Gagné. Il est mort. Dans le doute. Il est mort, mais bon, j'ai gagné. C'est simple, je. Simple. Je vais à un level 4 et j'ai quand même payé. Là, je me soigne, je prends le coffre. Un dégât pour chaque poison sur l'ennemi. Oh. Oh, bah, bien sûr qu'on va le prendre. On va dégager quoi? On va dégager. Est-ce que je dégage? Je dégage la dague. On joue sans dague. Vas-y. Salut au petit frère de Le Smasher qui regarde le live. J'espère que tu passes un bon moment avec nous. Full poison, on tente des choses. C'est vrai ça, ça manque de viewers du coup. Comment ça muet? On m'en fout ça. Il faut un fer là, là on va remplir ça. Pourquoi j'ai pas me faire ça là. Je me déteste. Ok, 9 de poison. Je suis à quel lui là. Oh non, mon rossignol. Voilà. Ah, trop fort. J'aurais pu typiquer avant, connard man. Non mais c'est bon, il est mort au prochain tour. Ouais mais c'est bien esquive. Non mais arrête de m'attaquer par contre.
est mort. Sans... Allez, le bisou. You win. Expérience niveau supplémentaire. Casse un dé en 3. C'est que des 1. Ah non, ok. Améliorer l'équipement. Double requis. Passe tous les dés à. Ah, c'est fort ça. Ça, c'est pas dégueulasse. Hein. Si on joue full poison, c'est bien ça. La scie. Bah, c'est vrai que c'est fort la scie aussi. Hein. Le problème, c'est que je la mettrai à la place de quoi? Allez, je tente. Et du coup, on remplace quoi? La rossignol, je te dégage vers la, pour la scie? Ou la contrefaçon? Ouais, on va essayer de faire ça comme ça. Ou alors je dégage la contrefaçon et je remets tricher. Ouais, il prend beaucoup de place contrefaçon. On va tenter comme ça. Je vais mettre un petit tricher en plus. Hop. Et si on comme ça. C'est quoi ça? La dague contre un coup en traître. Oui, bon, si tu veux, mais je m'en fous, quoi. Et le shop restaure PV esquive obtient 2-1. Oh. J'ai besoin de plus rien, mon deck est fait là. Mon deck il est fait. Oh, il y a tellement de trucs à faire. Allez, le roi des rats! On va l'affronter. Roi des rats résiste au poison. Connard! J'ai un deck poison! Ah, mais j'ai pas fait comme ça mon jeu. Ok, Tania. Y'a que ça? Okay. On va commencer à baisser. Réflexion vampire. Ça va, alors tu pars pareil. On arrête. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, petit roi des rats. Hop, on casse ça en 3. On casse ça en 2. On fait ça. Il est mort. Ah non, il est pas mort, il résiste. C'est la moitié. C'est bien, empoisonne-moi. Il est nul le roi en fait. Très mauvais. Il a 20 poisons, une tour. Je fais ça, et c'est la fin. Allez, on prend 5 XP. C'est le dernier étage avant le boss. Hein. Donc en soi, allez, un Kraken. Souvenez-vous. C'est ça qu'on va le casser en 3. Direct, on va pas hésiter, on va l'empoisonner. Merde! Très bien. Allez, on charge ça. Déjà 5 de poison demi. À ce cher étang de Kraken, j'ai dit t'es gagnant un tour. Ça va vite, hein? Ça va vite. Ok. Non, mais non!
pas au pif. Super. Que t'as un cœur. Pourquoi je fais ça avant, je vois. On va faire comme ça. On va faire comme ça, les amis. C'est chaud, je me fous le poison. Quoi. Contrairement à Street of Fire où c'était beaucoup plus fort, je trouvais. Là, ça complique un petit peu la chose. Quoi, mais édition. Ah. C'est plus que 3. C'est moins de 3. C'est 2 ou 1, ça. C'est des 2 ou des 1, ça. C'est un 1. Je déteste. Super. Dégâts. Ça finira pas sur ce tour. Il nous reste 2 PV. Prochain tour, on le bute. Dommage qu'on ait pas réussi à l'avoir sur ce tour, mais bon, on voyait pas grand chose. Faut dire ce qui est. Wow, mon pote. J'ai pas compris, mais ça pique. Allez, on va améliorer un équipement, peut-être. Détonateur, ça marche pour tout. Après, les chiffres, je suis plus emmerdé. Et là, c'est plus rapide à charger. On va prendre ça. Hop. Ça sera vraiment notre avantage. On va faire le loup niveau 4. Parce qu'il faut battre les deux ou passer au prochain niveau. Risque au poison, petit bâtard. Du coup, on va lui mettre très cher dès le début. Ah, mais ils sont joués dans le même ordre, ça me perturbe beaucoup. Ensuite, on fait ça. Non mais les gars, c'était un bon tour. C'était un bon tour. Putain, les gros chiffres. Il peut utiliser. Il a des doubles. Il peut me maudire. Ah, la modédiction, ça c'est chiant. Une chance sur deux que ça marche pas. On va essayer d'avoir ça du coup. Ça a marché. Super. C'était pas vraiment ce que je voulais. Bon. On va faire des 1. On va mettre du poison. Des dégâts. Et j'ai pas gardé un PR comme un connard. Ah. 15 de poison, il va faire 7 dégâts, 8 dégâts. 7. Donc du coup là il se met à arrêter le double de réduction encore une fois. On va prendre les dégâts côté griffe. On a une malédiction encore une fois. Ça marchera pas. Après il a 14, donc j'ai juste à faire un repère en fait. Qu'est-ce que je m'emmerde ? Simple. Donc il ne reste plus qu'à battre ça pour passer au prochain niveau. 2D double le poison. On va le prendre. Double le poison. En vrai, ça vaut plus le coup du détonateur. Non, que ouais, les détonateurs c'est nul ça. Ça marche qu'une fois en plus. On va dégager le détonateur, on va prendre le fléau à la place. On va prendre le coffre maintenant, le coffre est à quoi? Une spatule, on peut retourner un dé. Ça veut dire quoi ça? On retourne un dé. Ah oui, prendre de l'autre côté du dé. Ça peut être fort. Ça peut être très fort. Si j'ai un dé trop fort. Avec tricher, je pourrais faire des bons combos. Qu'est-ce que ça? Non, on va rester comme ça. On va rester comme ça. On a 20 PV pour battre la Dame Blanche. Il va pas falloir se foirer. On va casser celui-là en 3 déjà. Directement ensuite. On va casser celui-là en 2. Très bien. Maintenant on a ce qu'il nous faut. Sur un 6 GL2D.
pas de 6. Je m'en fous. On va commencer déjà à lui foutre du poison dans sa gueule. Et on double. On attaque pas pour l'instant, mais c'est de prier pour que ça résiste. Mais ça va être compliqué parce qu'elle a deux attaques. Hein. Deux attaques qui peuvent faire mal. 10 dégâts. Prochain tour, je vais sûrement mourir si je fais pas le travail qu'il faut là. Oh, quelle vie. Oh non, 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 je suis tellement mort. Je suis tellement mort. Ça pue, hein. Ça. Putain. Ça pue. Ça pue, les amis. Ça sent mauvais. Et ça sent le décès. Ça sent le décès, mais on est mort. On est mort, bravo. Bravo, bot. Hein. Tu nous auras tué. Dernier étage avant le boss. Quel dommage. Quel dommage. Le voleur qui décédera, malheureusement. Je crois que la strat poison était un peu trop greedy. Et ça ne passe. Mais on débloquera quand même le robot. Mais bon, ça ne passera pas. Du coup, voilà. Quel. On va couper cette première VOD YouTube. On a eu plus d'une heure de VOD sur les deux premiers personnages. J'espère que t'as apprécié, hein, Racing Jeune. La suite très bientôt, parce qu'on va continuer tout de suite en live pour le prochain épisode.